Salut à tous, je viens d'obtenir mon permis de conduire. Venez avec moi, je vais vous montrer comment je conduis comme Sébastien Loeb. Hey, arrête de filmer, coupe la caméra. Les amis, il y a un mois, j'ai passé mon permis et je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est fantastique. C'est la fête. Mais je dois attendre 4 mois avant de conduire. J'ai pas encore 18 ans, j'ai passé le permis en conduite accompagnée. Ouais, c'est un peu rageant, mais pour obtenir ce permis de conduire, je suis passé par plusieurs étapes. La première, le code de la route. Ah, le code de la route, je crois qu'il y a pas plus chiant que ça dans la vie. En plus, les questions, soit c'est trop facile. Dans cette situation, j'écrase le piéton, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Soit c'est trop difficile. La marque de cette voiture est Mercedes, réponse A. Renault, réponse B. Nissan, réponse C. En fait, c'est un scooter, réponse D. Soit c'est des problèmes de maths. À l'aide des informations présentes sur la photo, calculez la distance entre ma voiture et celle de devant. Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la longueur d'un segment. Et après l'avoir loupé une fois, je l'ai finalement obtenu avec deux fautes. C'est l'étape de la conduite accompagnée. En gros, tu conduis uniquement avec tes parents à côté et tu dois parcourir un total de 3000 km. Donc à chaque fois que tu conduis, tu dois noter la distance que tu as parcourue. Mais entre nous, ça se passe plutôt comme ça. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on a qu'à dire que je suis allé à Cannes. Ouais. C'est pas mal, Cannes, c'est combien de kilomètres à peu près? 40. Allez, ouais. 40, ok, ça marche. Du coup, on a qu'à dire que t'es allé à Marseille. Marseille? Ouais, Marseille. Bon, en vrai, c'est pas mal. Marseille, c'est loin ou pas? Bah, Marseille, tu trottes quand même. 120 km. Ouais, 120 km. Allez, 120 bon. km. C'est... Prochaine étape, moi je propose Nice. En vrai, Nice, c'est pas mal. 80 km, facile. Ouais. Facile, 80 km. Bon, bah parfait. Bon, on se refait ça la semaine prochaine. C'est nickel. Allez, let's go. Quand t'es en conduite accompagnée, tu te rends compte qu'il y a une grande différence entre tes parents conducteurs et tes parents passagers. Oh, attention, oh la vache, mais t'es passé super près du poteau. Oh, doucement dans les virages, doucement. Oh, moins vite. Oh, putain, le dodan. Oh, doucement. Mais ralentis dans le virage, ralentis. Quand tu conduis, en plus de rouler, tu dois aussi faire des manœuvres. Et ça, mon gars, ça au début, ça peut durer très longtemps. Une fois que tu as ton code de la route, une fois que tu as fait tes 3000 km en conduite accompagnée, tu peux passer le permis. L'examen dure seulement une vingtaine de minutes, mais bordel, qu'est-ce que c'est stressant! Bonjour, je suis votre inspecteur du permis de conduire. Vous êtes prêt? Tout est ok? Ok, on va partir sur la droite. Ok. Allez. Dépêchez-vous, j'ai pas tout mon temps. À droite, hein? À droite. Et je m'en suis sorti de justesse puisque pour avoir ton permis, il faut avoir 20 points sur 31. J'ai eu 22. En même temps, j'ai failli griller deux priorités à droite. Mais au moins j'ai le permis. Voilà, au moins j'ai le permis, ça c'est fait. Mais pour l'instant, ça change pas grand chose dans ma vie parce que comme j'ai fait la conduite accompagnée, je pouvais le passer à 17 ans et demi. Mais il faut que j'attende 18 ans pour conduire. Mais bon, ça va, je suis né en janvier, c'est bientôt. Hein, c'est bientôt. Et ce qui est bientôt aussi, c'est la fin de cette vidéo. Ouais, la transition est pas ouf, je vous l'accorde. En tout cas, si t'as kiffé, hésite pas à cliquer sur le petit pouce bleu, tu sais que ça fait toujours très plaisir. Si tu viens de découvrir ma chaîne à travers cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Et puis n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo. Et puis si toi aussi t'es en train de passer le code de la route ou le permis de conduire. Sur ce, je vous embrasse et à très vite. Papa, ça y est, j'ai réussi la manœuvre.